ça a été facile. Imagine ce qu'on a enduré. Moi aussi, je suis restée enfermée de moi. Quelqu'un m'a demandé si je souffrais, si j'avais cru que j'allais mourir. Qui m'a demandé à quoi ou à qui j'avais pensé à ce moment-là. Qui m'a demandé si j'avais eu peur. Qui m'a demandé si j'avais pleuré, si je m'étais senti seul. Tout ce qu'on m'a demandé, c'est de m'expliquer. C'est demander ce que vous avez. Plus que tout. Quand on est à la fin de ma capitaine d'industrie, on ne laisse pas passer ses nuits à jouer au poker avec n'importe qui et entretenir des maîtresses. Je vous remercie de votre franchise, monsieur Perrac. Eh bien, ce que les Français trouvent indécent, ce sont les sommes que Graff se permettait de perdre au casino. Ce prix-là n'est pas des rigolos. On va te couper avant, on enverra ta famille pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Par contre, tu vas leur écrire combien 50 millions d'euros. C'est trop court, ils trouveront jamais une somme pareille en deux jours. Faites ce qu'on me dit, président. On va payer. Jusqu'à combien peut-on aller? On ne peut pas plus de 20 minutes. On est 50. C'est ça où on y va. Jusqu'à combien de doigts êtes-vous prêt à aller, monsieur Balser? Les folles soirées du président Graff, jet set, grand patronat, milieu d'immonde, le mélange des genres, qui l'a perdu. Et vous verrez qu'on va nous ressortir les parachutes dorés et les stock options. Vous imaginez le poids qu'il avait sur les épaules? Moi, je lui aurais fait des scènes à la moindre escapade. Dans mon ring d'enfumerie, il y en a trois différentes. C'est une guerre psychologique. Nous devons mettre toutes les armes de notre côté. Balser est en train de réunir l'argent qui manque. Ne faites pas ça. Vous le ruinez définitivement. Je les ai avec moi. Je peux vous les apporter tout de suite si vous voulez. Allô? Qui a pris le risque de prévenir les flics? Parce que celui qui a fait ça, il n'a pas forcément envie de te revoir vivant.